Bien le bonjour mes gens et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur Euro Truck Simulator 2. Oui mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah si. 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 Non, c'est ma fille qui me fait rire. Elle dit non, fais pas. Mais je lui ai mis un petit film parce qu'en fait elle arrive pas à faire sa sieste. Elle est en période où elle arrive pas à faire la sieste. Alors j'espère qu'on n'entendra pas trop fort la télé. Je vous reprends donc sur Euro Truck Simulator 2. J'ai fait une vidéo il y a au moins 2 ans peut-être. Ouais, 2 ans, c'était vers 2019, voire 2018, un truc comme ça. Et en fait, là j'ai eu une envie, je sais pas pourquoi, de refaire ça. Peut-être à cause du confinement ou je sais pas quoi, mais... Donc du coup, bon, on est sur une mission rapide qui était déjà en cours, donc je suis parti de Lille. Et là, je me retrouve à Southampton et nous devons aller à Plymouth puis bah, livrer justement quelque chose. Je sais même plus ce que je livre. Je sais pas si on peut voir là. Livraison standard. D'accord. Donc voilà. Mais je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu. Là, on va reprendre la livraison. J'ai galéré pour reprendre, en fait, si vous préférez. J'ai carrément... Alors, on va mettre les phares. C'est quoi déjà les phares? Hop, voilà. Je suis sur la route. Et on va pouvoir y aller. Personne à droite. On va mettre le clignotant pour s'insérer sur la voie. Et on est parti. Donc, on est au Royaume-Uni, là. Donc, on roule à gauche. Et c'est vrai que je me suis pris un excès de vitesse, je me suis mangé un panneau dès le début en tournant. Mais c'était pas prévu que je filme, alors du coup je sais pas si le rendu sera au rendez-vous. Parce que j'ai un vague souvenir qu'avec le logiciel que je capture, il y avait un problème, j'ai essayé par OBS. Le souci c'est que ça ne fonctionne pas. Ah du coup là on est sur une 3 voies là du coup. Ouais. Parce que en fait, Southampton, London, on va devoir reprendre de toute façon à gauche dans peu de temps. Et il y a une voiture qui arrive, donc on va la laisser passer. On va dire que bon, elle nous laisse passer du coup vu qu'on a mis le clignotant. C'est parfait. London. Ah ouais, de toute façon, nous c'est Plymouth. Je vais me remettre à droite du coup. Nous on doit aller à Plymouth. Tu t'es trompé de clignotant, tonton. Voilà. Cardiff. Ah non, attendez, il faut se remettre. Et heureusement qu'il n'y avait personne. Voilà. Alors, panneau aussi, il est con, il change tous les 3 secondes. Du coup, j'ai mis la radio. Je sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment la radio, la vraie radio. Hein. Internet. Je suis passé par Internet. Là, on est sur la bonne voie. J'arrive pas. Alors, je joue au clavier, à la souris. Donc, c'est normal si vous me voyez un peu galérer. Et surtout que ça fait très très longtemps que j'ai pas joué. Hein. On est que niveau 3. Hein, j'ai pas joué longtemps au tout. Alors, j'ai fait le plein en arrivant, en fait. Là où on quittait, en fait, là qu'on a repris la vidéo. On quittait la station service, justement. Hop. Il y a plein de voitures derrière par contre. Donc là il y a une station aussi si on veut. Moi je l'ai fait bien avant. Et puis je me suis reposé aussi sur l'aire de parking. Alors c'est la première fois que je quittais la France pour aller ici en fait. Du coup c'était comique, c'est qu'il faut prendre un train. Bon tu vois pas que tu prends le train mais tu devais te garer dans le train et tout. Enfin c'était comique. Ah, il fait pas de bruit là. Parce qu'en fait regardez la radio. Là c'est truc FM et je crois que ça m'a changé hein. Ça m'a changé. Parce que là je peux mettre puis, de toute façon si je me fais striker je m'en tape en fait. Au final c'est le plus dur de rouler ouais, on va les ranger par ordre. Parce que là je crois qu'il m'a rechangé la radio. Il y a France Bleu, vous voyez Virgin Radio, Skyrock, Energy. On va mettre celui là Oh putain ouais bah là on est striker direct les gens.
Ah bah sur YouTube. Quoique je me méfie parce que il est possible qu'il reconnaisse et qu'il me bloque ma vidéo. Mais bon, allez, c'est de toute façon, c'était même pas prévu. Donc je m'en tape. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, vous avez la BO de Rocky qui passe. J'espère que vous l'entendrez bien. Je chante n'importe quoi. Je crois que je me suis retrompé de clé. Le mec qui s'est trompé de clignotant encore. Ah non, mais c'est compliqué la reprise, hein. Je le dis tout de suite. Once a tiger. Tintin, on brave l'autoroute. L'autoroute 35, la A35. Excès de vitesse. Oh, merde. J'ai pas vu les panneaux, moi j'étais parti dans mon... J'étais parti dans mon délire de musique, moi. Par contre, j'arrive pas à le tenir, le 80, je sais même plus c'est quoi le régulateur de vitesse. Alors, je passe pas les vitesses, par contre. Parce que j'ai pas trouvé comment on met en... Je crois que c'était au début. Putain, ça fait 200 balles qui sont parties, quand même, hein. Je le dis, le routier de l'extrême. Voilà, là on a bien mis le... le clignotant. En plus, moi là je suis un malade parce que j'ai mis les musiques vraiment des années 80, donc on va se faire striker à mort. C'est à 60 là, j'ai vu un panneau 60, c'est quoi 60 mph? Du coup, il nous reste 169 km. C'est bon, je suis 2 km/h, tu vas pas me saouler. Hein. Non, tu es obligé d'être à 80, en plus là il y a une montée. Le camion il va galérer. Du coup, ouais. Là, il est 6h40 du matin. On va voir le soleil se lever. Hop. Mais en même temps, vous voyez, je vais un peu vous parler aussi de la chaîne. Hein. Comme vous avez pu le constater, il y a eu très peu de vidéos de jeux ces derniers temps. On est plus en mode vlog qu'en mode vidéo de gaming. Bah, pour la simple raison que voilà, c'est une période, j'ai pas trop envie de... J'ai pas trop le temps de toute façon de tourner du gaming. À part là, bah, là, je me fais un petit plaisir. Mais si ça passe, parce que c'est vrai que je me souviens qu'il y avait une galère avec le logiciel, c'était pas du tout synchro et tout ça, donc voilà, je me méfie. Si vous voyez cette vidéo, c'est que ça fonctionnait par miracle. Mais c'est vrai que voilà, pour la chaîne, faut pas s'en inquiéter, il y a, voilà, c'est une petite coupure de gaming. C'est vrai que je vais plus présenter des choses maintenant, des trucs comme ça. En attendant les Sims 5. Et ça me fait très plaisir de faire ça de toute façon. Et puis peut-être pourquoi pas ça, où on parlera de la chaîne, où on parlera de la pluie et le beau temps. Hein, je sais pas ce que vous en pensez sur ce jeu. Alors il y a un mode coop, hein, je devais jouer avec Adidon. Le problème c'est que j'ai pas pu parce que bah, avec le déménagement et tout, puis je crois qu'il y avait un problème ou je sais pas quoi, il y avait. On avait mis le truc à jour, mais il y avait une couille dans le potage. Eh, monsieur, attends, mais il est ouf, lui? Le camping-car? Vous avez vu, il y avait le rabattement sur sa voie, en fait, donc comme quoi qu'ils font des travaux. Donc, techniquement, vu que moi, je suis le poids lourd en pleine montée, en plus, il aurait dû me laisser passer, il aurait dû freiner et me laisser passer, puisque c'était en plus sur sa voie. Bah non, le mec, il a foncé, quoi. Le tordu. C'est que j'étais en excès de vitesse. Là, il essaye de doubler là où j'ai rêvé. Il a essayé de doubler le mec. Virage dangereux. Allez, il nous reste 1h40. Au moins, on va voir du pays aussi. La cabine, elle est pas mal. Hein. Franchement, le camion, là, il est pas mal. Alors, je fais gaffe parce qu'avec la route. Oh, il y a une descente. Oh, ça, c'est ma fille qui vient de faire tomber je sais pas quoi.
On va freiner un tout petit peu, là ça prenait un peu trop de vitesse. Et je crois qu'il y avait mon carburant, il y avait la consommation. Quand je fais une accélération, vous avez vu 67, 69, mais c'est quoi le... J'arrive pas à lire. De toute façon, on est encore bon, donc ça va. Regardez là, l'arrière, là, sur le rétro droit. Vous voyez le lever de soleil. Magnifique. C'est magnifique. Ah, puis regardez ce canyon, ce papier peint au fond. Mais c'est toute beauté. Non, je critique pas du tout, hein. Alors on va essayer de prendre un peu de vitesse. Ah ouais, là on voit le soleil le lever. Ah magnifique. C'est bien fait dans le... comme ça. 1h19. Bon, en termes de jeu, je sais pas combien ça fait de durée de minutes. Il nous reste 94 km/h. Ah mais ça c'est kiffant de rouler sur les routes comme ça. Mais toi tu dois être bien là sur ce siège là de camion. Ah par contre je sais pas s'il y a des voitures, mais c'est bon. Ils respectent les distances de sécurité, eux au moins. Alors là, faut faire très attention, il n'y a plus de séparation de bande blanche. Du coup, c'est très très short. Ah, oh putain, j'ai cru qu'on se prenait un camion là. Je vous jure, j'ai cru que. J'ai tourné, j'ai cru qu'on se prenait le camion. Alors, je pense qu'on va s'insérer à gauche. Hein. Voilà. Et par contre, ils ont du mal les voitures à te doubler. Hein. Enfin, ah si, il y en a une qui tente. C'est bon, là on passe à 90. Il y en a une qui tente et qui vient de passer. C'est un Scénic. C'est bien. Il met son clignotant de rabattement très rapide, mais oh, lui va tenter de dépasser la voiture, non? Ah, en fait, je me suis fait un petit café là. Oh, attention, on va essayer de pas dévier. Un petit café. Alors Playmousse, moi il me dit que c'est à gauche Playmousse. Hein. Vous avez vu, hein? Bon, là, on va se mettre à gauche. Parce que nous, on va à Playmousse. Voilà, je suis déjà sur ma voie. Je suis tranquille, à l'aise. On va ralentir un tout petit peu, vu que là on s'insère. Mais c'est quoi ça? C'est une... On met le clignotant, contrôle intérieur, extérieur, angle mort, et on s'insère. Ah! Je vous ai fait le code de la route. En plus, c'est que je peux le boire au moins mon café là. On arrive dans 47 minutes. Alors, je vous ai pas fait un long trajet pour reprendre mon café. Je le trouve dégueulasse ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, ça doit être dans ma bouche, mais je le trouve, je vous jure, je le trouve dégueulasse. Alors, on va peut-être aussi couper. Non, pas les essuie-glaces. C'est quoi? C'est elle. Voilà, on va couper les phares. Là, il n'y a pas besoin. Il est. Ah, il est que 6h30 du matin. On va mettre les feux de position. Voilà. Ce sera déjà ça de gagner. Alors, le camion, il a du mal derrière, là. C'est un petit fourgon de lait. Mais du coup, ouais, on va faire un petit truc comme ça, où on va parler un petit peu, qu'on roulera, on fera des longs trajets. Peut-être qu'il y aura des accidents, je sais pas. Dites-moi si ça vous plaît, hein, dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à commenter. Mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas revenir dans ce jeu. Oh là là, il tente. Oh, regardez-moi ça, on est presque au tac au tac. Oh, il me fait dévier ce con. Ça je sais pas, c'est un quoi lui. Je sais même plus ce que je transporte moi. En tout cas, on y arrive dans 29 minutes. Il nous reste 32 km avant l'arrivée. Par contre, j'espère que c'est pas à moi de ranger la remorque, que j'y arriverai pas. Hep, tu fais quoi? Bah, on dessine pas sur la bassine. Elle est en train de dessiner sur sa bassine. J'ai le dos tourné 3 secondes et voilà ce qui se passe. L'essence, ça va, la fatigue, ça va aussi. On peut la gérer, je pense, hein, pour les 21 minutes qui restent. Ils vont tous doubler. Maintenant, ils vont tous me faire freiner ici. Voilà, station-service qui est juste là. Ah, ils vont tous me faire freiner, tu vois, voilà. Ça, c'est pareil dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu te fais des fois doubler par des malades mentales.
Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils se rabattent devant toi. Oh là, attention, anticipation. Les warnings, je sais plus c'est quoi la touche des warnings. Je crois que c'est les deux. Je t'improvise des warnings, mec. Non, non, faut pas dessiner dessus, hein. Ah, on en a frappé 48 km/h. Putain, mais j'ai jamais vu ça. Tu dois aller à 48. Je crois que c'est parce qu'il y a des travaux. Ouais, ouais, là, c'est indiqué 30 de toute façon. Il faut aller à 30, hein, de base. Voilà, on approche. Playmouth. Alors, ce qui est bien, c'est que. On va peut-être en faire plusieurs vidéos, mais je voudrais que celle-ci fonctionne. C'est vrai que j'ai peur que ça fonctionne pas du tout. Mais je vous le dis, hein. Et pourtant, c'est faute d'essayer de mettre les à jour et tout, hein. Putain, maintenant il veut plus démarrer aussi, putain, 48. On approche! Monsieur, on approche! Ah, sinon, n'hésitez pas à me dire. Alors, les jeux que vous attendez cette année. Alors, moi, franchement, c'est Resident Evil Village, mais je vais pas l'avoir tout de suite. J'ai été obligé d'annuler ma précommande. Et tu veux faire le pot? Alors, on était où? Ah, voilà. On est là. Je dois pas dépasser les 48 km/h. On arrive bientôt. Donc les autres trajets, vous inquiétez pas, ils seront plus longs. Si ça a marché. Oh, avec cette vitesse, attends, c'est bon. $100 en moins, ça fait déjà trois fois. Trois fois que je me fais flasher, quoi. Oh, je vous jure. Ouais, je suis déjà en excès. Et l'autre qui veut me doubler, il est pas en excès, peut-être? C'est vrai. Il a doublé tout le monde là. Il est passé par la droite, tranquille, au calme, le mec. Ah, lui aussi, attends. Feu rouge. J'aime pas, c'est me retrouver dans les, dans cette situation. C'est-à-dire que je suis la voiture et je suis entre deux camions. Ça m'est déjà arrivé une fois, je déteste ça. Je me sens tout un petit, tout rikiki. Mine de rien, j'approche de mes 2 ans de permis. Ce sera en juin. Si tout se passe bien d'ici là, donc j'aurai 10 points sur le permis. Et je dois vous dire que bah, ça va, mais il y a des situations où c'est un peu tendu hein, par moment. C'est bon, je suis passé. Je suis passé au orange. Il passait rouge quand ma cabine elle était passée. C'est vrai en plus. Attends, pourquoi tu t'arrêtes comme ça toi? Là du coup il essaye de doubler. Et regardez, il va se remettre dans la file de gauche. Ah bah que des péripéties, putain j'ai galéré hein. Où en avez-vous besoin? On va jouer à... Oh, tu sais quoi, je suis pressé. J'aime pas faire les manœuvres. En retard. Oh bah je suis en retard. Pénalité de retard, 3 heures 2. Ah, j'ai 3 heures 2 de retard. À ce point. Bon, vous l'aurez compris, ce fut une catastrophe en fait, finalement. Ah non, mais je jure, hein, c'était une catastrophe. Pièce de camion. Alors, du coup, ça c'est mon camion que j'ai acheté de base. Hein. Néophyte, ouais. J'ai pas de truc. Tiens, en email, j'ai quoi? Vous n'avez aucun message. D'accord. Moi, comme ça a le mérite d'être clair. Hein. Gestion remorque, gestion camion. Tonton Express. J'ai eu 3 heures de retard. Gestion, ouais. Bah écoutez, moi, j'ai pas fait mon truc. Alors là, du coup. Alors là, la carte du monde.
tout ce que vous voyez en ligne jaune. Un chocolat. Bah attends, il est pas l'heure. Bientôt le goûter. Donc du coup, en fait, là où c'est tout en jaune, c'est tout ce que j'ai fait en fait. En termes de voyage. On avait fait Paris-Lille, je crois. On avait fait Lille-Liège. Lille-Rotterdam ou Rotterdam-Lille, je sais plus. Enfin, je l'avais pas fait en vidéo. Enfin, si, j'avais filmé en vidéo, mais il y a eu le problème de ce que je disais justement avec les enregistrements. Du coup, vous avez jamais eu la suite des vidéos. Parce que sinon, je faisais un let's play continu. Hein, mais voilà quoi. Mais c'est comme ça. Attendez, je m'efface. C'est quoi là le truc là ? Explorer 3,20% de la map seulement. Bah les petits gens, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il sera bien entendu en ligne. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres trajets. Et surtout, portez-vous bien, ciao !